Salut! On va recouper un petit peu de bois de chauffage pour passer l'hiver au chaud, même les intersaisons. Et de toute manière, ça sert aussi à la cuisson des aliments. Alors le but, c'est de couper ces branches qui sont plus ou moins en 1 mètre, en 25 cm pour que ça rentre dans le petit poêle que j'ai en caravane, et ensuite de le mettre sous abri. On va commencer par faire la sélection des outils dans le râtelier. Je vais utiliser la tronçonneuse moyenne. La grande, c'est pour l'abattage des arbres ou des grosses souches ou des grosses grumes, et je n'ai pas de petite tronçonnette. Évidemment, il faut un peu de protection avec le pantalon anti-coupure, les chaussures de sécurité, les lunettes et le casque de bruit, sauf si vous êtes sourd, et les gants. Cette tronçonneuse moyenne, c'est un modèle amateur avec le tendeur de chaîne rapide, mais qui finalement est plus long que de simplement tendre une vis, parce qu'il faut dévisser ça, revisser cette vis en plastique et revisser celui-là. Finalement, ça n'a, c'est pas terrible. Voilà. Donc faut mettre un petit peu d'essence dedans en appuyant là-dessus. C'est la quatrième position tout en bas, en appuyant sur les deux détentes. Donc il faut tirer la petite manette jusqu'à ce que le moteur démarre, puis qu'il cale. Petit frein de chaîne en avant. Ça, c'est une méthode pour la démarrer au sol en toute sécurité. On sent le point de compression. Évidemment, c'est démarrage automatique avec petit ressort. C'est plus chiant qu'autre chose. Et voilà, donc une fois que c'est fait la première fois, voilà, on peut repasser à la troisième position. Ça va démarrer à fond de balle. Et ensuite, il faudra appuyer sur les détentes pour qu'elle passe juste en normale, marche normale. Au ralenti, on peut dire aussi. Là, j'aurai mon petit repère pour savoir qu'est-ce que ça fait 25 cm. Alors, quand on coupe, il faut essayer de couper soit par là, soit par ici. Mais pas trop sur les embouts. Parce que si on coupe vers le bas, ça pourrait coincer et remonter comme ça. Et si on coupe vers le haut, ça pourrait partir vers le bas. Donc voilà. Toujours faire un peu gaffe. D'où le fait du pantalon de sécurité. Du frein de chaîne qui se met automatiquement si ça remonte. Et normalement, il faudrait mettre un casque, enfin, surtout en cas d'abattage d'arbres. Faire attention au support de bûche aussi, parce que celui-ci aussi bien il est bien pour du 33 cm, aussi bien pour que le 25 cm très nul, parce qu'on est obligé de couper dans la ferraille. Il peut arriver qu'on ait besoin de plus de puissance. Maintenant, on va sélectionner une hache dans le râtelier pour refendre le bois. Il y a certains morceaux qu'on va garder complets, mais d'autres qui sont trop gros qu'il faut fendre pour qu'ils puissent sécher plus vite et qu'ils brûlent mieux. Parfois, c'est bien de garder des grosses bûches pour que ça dure longtemps la nuit avant de se coucher. Avec un gros bilot de bois coupé à hauteur des genoux, on va essayer de venir fendre dans les fissures déjà présentes du bois, plutôt contre un bord. Parce que si, parfois, si on fend en plein milieu, c'est dans le nœud et ça fendra rien du tout. Il faut s'assurer que ce soit un petit peu aiguisé quand même.
fendage de bois à l'américaine. Et puis on peut aussi le fendre directement par terre, ça permet de ne pas le ramasser à chaque fois. Bon, évidemment, ça fait des trous dans le sol. Ça marche aussi à la hatchette. Bon, faut choisir des morceaux un peu moins costauds. Avec le tomahawk, je peux refaire des petits bouts pour l'allumage. Et maintenant, faut faire du magasinage. On appelle aussi ça boutiquer. J'ai fait l'angle un peu au carré pour que ça s'auto-tienne, mais sinon il faudrait mettre juste des barres par ici. Les petits morceaux seront là devant. Ça c'est pareil, il faudrait un truc plus efficace. Et le reste des morceaux est comme ça. Encore pas mal d'améliorations, mais ça va se faire. Et là, il y a le testeur de la solidité. Donc ici, ça fait un stair. Et là, il y en a encore 4. Donc au total, il y aura 5 stairs. Là, c'est que le début, j'en ferai d'autres. Yeah.
avec la double net. Tennessee corn!